Yo. Et c'est parti. Bien le bonsoir. Bonjour et bienvenue au 10e épisode de Hats Inside. Alors, pour être clair, beaucoup de choses se sont passées. Déjà, première chose que vous pouvez remarquer, je suis à quasiment 2000 pounds. J'ai farmé un peu l'argent. Mais sinon, pourquoi on se retrouve dans cette zone alors qu'on a un peu tout fini? Et bien, tout simplement parce que je me suis rendu compte d'un détail assez important. Regardez le nombre de sabliers. 24. Bah, quand on arrive à 25, on a une cinématique un peu spéciale qui va avancer le scénario. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un épisode où je vais tout simplement collecter tout un tas de trucs, tout un tas de bidules, des pelotes et tout ça. Et à la fin, je vais vous montrer cette cinématique. Et pourquoi cette zone? Parce que justement, il me reste un seul sablier à récupérer. J'ai d'ailleurs fait la relique hors caméra. Mais en plus on a aussi le Pni Snatcher à revoir, hein. Et aussi plein d'objets à récupérer, hein. Pas dans le château de la reine Vanessa, heureusement. Bonjour, meilleur ami pour la vie. Not wasting any more clerical supplies on you. Now get the heck out of my forest. Mais j'ai des trucs à récupérer. Je peux pas le taper. Donc oui, on va récupérer tout un tas de bidules, hein. Ah bah oui, c'est vrai, comme j'ai obtenu le deuxième DLC, évidemment, ils ont rajouté un bruit pour les plateformes comme ça. C'est sympa. Totalement secondaire, mais c'est sympa. Et next, on récupère un maximum de trucs pour un minimum de temps. Lag. Ah non, je voulais pas qu'il monte. Calme. Un collier. Bah oui, relique de deuxième DLC, évidemment. Ouais. Bon, faites pas, pendant le off, je n'ai récupéré que de l'argent. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter sur ce point-là. Bon, après, évidemment, comme je l'ai dit, j'ai complété l'autre relique. La relique pour... Pour ce monde. Mais c'est tout, hein, vous en faites pas. Ah, combien? 16. Bon, je pense que le dernier chapeau à obtenir, il te demande... tellement de pelotes. Principalement pour ça, en fait, que je... Justement, je récupère tout ça. Bon, ici, le time rift, hein. Faille temporelle du... De la relique. Alors, je me suis rendu compte en voyageant de mon côté, mais...
En fait, on peut faire littéralement toute la zone en étant sur les arbres. Enfin, sauf aller chez Vanessa, mais... De toute façon, tu voudrais aller chez Vanessa. Même de manière amusante. Mais oui, c'est une corde qui vient de me parler. Ok, récupérer... une pomme. Hop. Bah non, c'est pas... Ah si. Non. Ouais, pas besoin. Pourquoi il y a cet esprit juste à côté? C'est chez toi? Ah oui. Steve from work went to the moon last spring. He said it was great. Darn Steve. He always has to one-up me. I'll show him with a postcard from the moon. This is all right. I can see myself having a picnic here. Still, it's no moon. Gotta get up there so I can send a postcard to Steve from work. Eh ben, oui, c'est le mec. En esprit. Je sais pas pourquoi. Ce qui me fait penser que ça va être l'occasion d'utiliser ceci, la boussole, qui me dit où est-ce que l'on peut trouver des reliques. Ou des jetons. Donc c'est où? Là-dedans? Ah oui. On voyait pas. La glace était... Hop. Et il faut monter. Next. Dans les marais. Des statues, je les ai. Le lag qui fait du bien. Je devrais peut-être prendre la corde que là. Je vais pas chercher à utiliser ça. Hein. Pas cet endroit. Le tapis de Snatcher, de Black Death. Qu'est-ce que j'ai foutu? Récupère un max. Ça passe. Bon, j'ai pas de moyen de rentrer en fait. Ils avaient pas prévu ça, les mecs. Non, moi non plus en fait. Ah si, ils ont prévu ça. Ça fait un raccourci pour jetons. Un jeton. Ouais. C'est un paquet cadeau, mais il y a un jeton dedans. Même si j'ai pas obtenu
surtout de la relique du deuxième DLC. Ah, plus de jetons. Déjà ? J'ai déjà tout récupéré ? Bon, après, il y a toujours les pelotes, mais... Ah oui, parce que je suis dans le chapitre des obligations contractuelles, donc... Pas besoin d'aller chez Vanessa, on a déjà tout pris. Pelote là-haut. Ouais, ici aussi. Là, j'étais persuadé de l'avoir récupéré. Tiens. Ah oui, c'est vrai, c'était une autre histoire. Bah oui, c'est vrai qu'il y a d'autres trucs que je... Il y a plein de trucs que je dois vous montrer grâce au DLC. D'ailleurs, si vous voulez mon avis tout de suite, hein, le DLC... Oh. Disons oui et non. Voilà. Ma phrase ne veut rien dire, c'est pas grave. Mais juste mon avis, c'est un oui et un non. On va toucher l'araignée, hein. Faut toujours plonger. Hop. On récupère plein de choses, 23. C'est 20. Moi, je me demande combien de pelotes tu peux avoir sans avoir au maximum quoi, avec ou sans production de chapeau. Une corde, ça. Elle tenait à rien. Sommes d'accord. Ah, c'est encore trop tôt, je vais pas vous montrer le truc maintenant. Ouais. Si ? Ça va ? Je m'attendais pas, ça arrive de temps en temps de trouver des pelotes dans les trucs à sable. Et le truc c'est que, ben, comme c'est dans les trucs à sable, ouais, je me suis bloqué, donc il me ramène loin. Comme c'est dans le truc cassable, ben hein, tu le sais pas forcément, tu les vois pas en fait. Les lags. C'est quoi ça? Et non. Oh et puis zut, au pire, je vous montrerai plus de la prochaine zone. Ben non, je pourrais faire. Ben non, oui. Oui, j'ai encore. J'ai pas encore fini le chapitre. Chapitre des oiseaux là. Bon alors comment on s'y prend? 36 000 manières d'y aller hein. Un énorme sablier qui s'est brisé. J'ai fait une bêtise. Ah bah non c'est... Bref. Jamais vu ce truc. Bon, on en apprend. Et bah écoutez, vous aurez votre cinématique, votre livre d'histoire et un film. Allez. Donc déjà, ce que c'est mesquin et cruel. Hop. Première page est ici. Bonjour. Ça aussi c'est mesquin et cruel. Bravo. Ça commence très bien. Il y a une grue dans ce genre de zone. Hein. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là.
avec un boulet de démolition. Et ben moi qui pensais avoir perdu en jouant à un autre jeu. Ouais, lag. Hop, un point de vie. Et là encore, mesquin et cruel, juste derrière. Et on le voit pas si tu vas trop vite. Hein. Bien, on en est à deuxième zone et on a déjà la moitié des parchemins. Enfin des pages. Une petite particularité maintenant que j'y pense, c'est on va avoir plus loin un monstre qu'on ne voit qu'une seule fois dans le jeu. Mais genre une seule. Et tu le vois nulle part ailleurs. Ah. Là aussi, mesquin est cruel. Très bien caché. Je pense qu'on peut même pas l'obtenir sans l'aimant. Les tours qui tombent. Si, faut y penser. Ouais, bien sûr. Ah, elle m'ennuie tout le temps cette araignée. Chaque fois, elle réussit à m'avoir. Ah, lag. Voilà, une pieuvre. On en a que deux, il n'y en a pas d'autres dans le jeu. Jusqu'au premier DLC, effectivement. Bien, il y a encore une page, et elle est là. Ouais, faut descendre. Hop, et voilà. Et voilà, c'est déjà fini, et ça fait que 17 minutes, ça m'ennuie, c'est pas grave. Aïe. Eh ben écoutez, c'est pas grave. Vas-y, le lag, je me tape un lag depuis tout à l'heure. Voilà, 25. Et cinématique. Mais d'abord, l'histoire de la reine Vanessa. Oui, oui, c'est la reine Vanessa le livre. C'est pas, ça va pas être Snatcher. Donc c'est l'histoire d'une jeune princesse ou reine. Étant donné qu'ils sont jeunes, moi j'aurais dit prince et princesse, mais bon, roi et reine, très bien. Donc c'est l'histoire d'une reine avec son beau roi, qui sont tellement amoureux. Ouais, on avait remarqué, hein, avec les trucs bien malaisants qu'il y avait décrit dans un tas de papiers chez Vanessa, dans le manoir. La reine Vanessa a été particulièrement aimée de tous ses serviteurs. Ils ont tous un masque. C'est pour ça qu'ils ont encore un masque, même mort. Mais un jour, elle découvrit. Je sais pas comment dire ça autrement, hein. Elle découvrit ceci. Une horrible trahison. Et elle fut. Elle eut le cœur brisé. Et elle fuit. Donc vous aurez compris avec cette image, hein, c'est un satané quiproquo. Hein. C'est particulièrement. C'est un malentendu, c'est particulièrement détestable. Quand le roi arriva, elle vit sa chair étendre. Le détester. Donc elle enferma ce roi dans son cachot. Voilà, cachot. Et elle commença, avec ses larmes, à glacer l'endroit. Le roi finit par devenir fou. Oui, vous aurez reconnu, c'est Snatcher.
Ça se voit avec les yeux, ça se voit avec le avec la collerette, ça fait vraiment penser à Snatcher. Et alors Anne Vanessa devient un spectre démoniaque. Hein? Et voilà comment Snatcher est devenu un démon. À cause d'un putain de malentendu. Écoutez, ça arrive, hein. Mais bon, aussi, elle était très psychopathe, hein. Enfin, très psychopathe, non, psychotique plutôt. Elle était vraiment à fond sur lui, donc ça allait beaucoup trop loin. Enfin, tu me diras, je vois pas comment ça aurait pu bien se passer. Non, c'est moche. Oui, j'aime bien. C'est pour le boss. Yes. En version orchestrale. Sympa. Franchement, j'apprécie. Ah, putain, j'avais oublié ça. Les stickers. Here we go. Eh ben... a ton more timepieces than I have. Now where does she keep them? Eh oui, on la contrôle. Bon, le truc c'est qu'elle a pas de chapeau. Hein. Sérieux? C'était d'aspirateur. Arrête de faire du bruit. On t'a entendu dans la cinématique. Eh ben, on peut pas accéder à la moindre zone. Hein. C'est juste la salle principale où on peut aller avec elle. Jackpot! This must be where she stores them all. Time to mess with time a little. Ça va mal se terminer, tu sais ça. Voilà. Bon, je dois quand même faire une remarque sur ce qui s'est passé avant. Et oui, la zone finale, hein, c'est ici. C'est débloqué. C'est pour ça qu'il y a eu cette cinématique. Donc oui, vous avez vu, ça dit un sticker est apparu à Mafiaville. C'est le deuxième DLC. Il propose tout un tas de nouveaux trucs. La première de ces trucs, c'est ça. Est-ce que tu veux changer tes options de mode de partie en ligne? Non, non, je ne veux pas. Normalement, il y a tout un descriptif, hein, mais bon. Ouais, un mode en ligne. Le deuxième truc, c'est quelque chose qu'on voit là. Des stickers. Bon, là, on en a que trois, hein. Cat crime, donc crime de chat. Un cœur et une étoile. Et aussi, on peut parler. D'accord. Waouh, j'avais jamais vu. Du coup, chapitre final accessible, hein. Mais on ne va pas y aller. On a un film à produire. Donc bon, je voulais finir avec cette cinématique, mais je m'attendais pas à avoir si peu de choses à récupérer que Snatcher. Bon bah, c'est parti! On y va! Deux minutes chrono! Ça pose le décor! Alors je pense pas que je vais dire grand chose hein, pour profiter de la musique. J'adore! Beaucoup préfèrent la version remix, mais je préfère l'original, perso. Qu'est-ce que ce sablier fait là? Comment il fait pour tenir? Oula. Bonjour!
biggest action movie in bird history. The movie is gonna be the bomb! And I mean bomb in the good way, Picnic. Inquiétant. Mais te connaissant, ça va être un super film. Bon, on va dire bonjour un peu à tout le monde. Bon, non, le connaissant, ça... Étant donné qu'il veut faire un film d'action qui sera de la bombe, c'est nécessaire, hein. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis pour s'arrêter. Ah, c'est possible. Ouais, moi aussi. Bonjour. Mais pourquoi pas? Ah, évidemment. J'ai eu trop dépensé parce que si j'ai farmé l'argent, c'était pas... C'est pas pour acheter des épingles. C'est pour le DLC. Je peux m'en passer pour l'instant. Non, parce que le DLC il va proposer beaucoup d'accessoires en fait à acheter. Bon, j'imagine que c'est pour ouvrir la porte. Alright, lassie, listen up. I have some bad news. Ah, qu'est-ce qui se passe? That lever you just pulled, it starts the train self-destruct sequence, and that ain't no joke. It'll blow up. I need a movie with some real intense action. So that's what we're gonna do. The train's gonna blow in a few minutes. But you can save us all, lassie. Get to the switch at the front of the train to turn it off. And you better make it in time, all right? I don't care about the owls or yourself, but you don't dare blow up me train for real. It's my baby. Mais pourquoi tu risques ton bébé pour si peu? Ah merde. Cameras are gonna be rolling, lassie. You hurry now. Go over and out. Ah. 2 minutes. Yeah. Pas le temps. Oui. J'ai bien pris mon temps pour tomber, tu vois. Non. Presque en rythme. C'est meilleur comme temps. Made it. And in time. Oh, look
at all this raw footage we got. Look at how you're running for dear life. Psychopathe, j'adore tes films. Oh, what? We did it in the name of cinematography. And to beat that no good DJ Grooves. I bet he won't be able to make half the movie we just made. All right, here, take one of these thingamajigs you like. You deserve it. Merci, mais bon, la prochaine fois... Double la durée. Franchement, double ton train, double la durée. Ça serait encore meilleur. On passe. Tiens! Bon, on va s'arrêter là. Ah, j'ai fait bien meilleur comme temps un jour. Je crois que j'avais 3 minutes restantes à la fin. J'ai 3 minutes devant moi, c'était horrible. Là, j'ai fait plein d'erreurs. En plus, il y a un lag que je me tape depuis tout à l'heure. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite quand même une bonne journée, hein, tout ça. Oh, ça faisait longtemps que j'avais plus joué. Allez, salut !